Salut les collectionneurs, cette fois on découvre le Spécial Plus 71171, c'est vous qui avez choisi cette danseuse classique sortie en 2023. Allez c'est parti, pour une fois on a un petit peu d'assemblage, il va falloir mettre les stickers pour les miroirs et accrocher la barre, ça fait pas mal d'accessoires. Voici donc notre danseuse classique prête à faire des entrechats et autres pirouettes. Ce n'est pas un type de cliquille commun, donc je lui souhaite la bienvenue. Vous pourrez imaginer un studio de danse dans votre ville Playmobil comme ça. Ou même, pourquoi pas, un opéra. Regardez-moi comme il est beau ce petit rat, prêt à enflammer la scène. Ouh, elle n'a pas les yeux marrons Playmobil habituels, mais les yeux de poupée apparus avec la gamme des top modèles en 2015. Évidemment, notre danseuse classique est habillée d'un juste au corps et d'un tutu, tous les deux bien décorés. Regardez comme c'est joli, des dorures, des rubans, trop choupi. Et bien sûr, pour faire de la danse classique, la danseuse a les fameux chaussons, ceux qui permettent de faire de jolies pointes. Bon, évidemment, ne vous attendez pas à voir votre figurine se mettre sur la pointe des pieds. Et il faut pouvoir se voir quand on danse, et oui, voici donc de beaux miroirs, ou plutôt un paravent réutilisé. Vous l'avez déjà vu dans la boutique de mode 70017 de la gamme de la petite ville en 2019, à retrouver sur ma chaîne. Notez la barre juste devant qui permet à notre danseuse de faire toutes les pirouettes qu'elle veut, avec grâce, avec style, ou bien pas du tout, hein, ça c'est à vous de voir. Mais vous pouvez également imaginer les figures les plus folles, je compte sur vous. Voilà donc pour la danseuse classique Playmobil. Franchement, je trouve son costume vraiment trop beau. C'est une idée originale qui aura peut-être sa place dans une jolie maison traditionnelle après tout. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Comme d'habitude, toutes les infos importantes sont dans la description. N'oubliez pas de regarder mes autres unboxings et pensez également à liker, commenter, partager et vous abonner ici et sur TikTok. Et direction le sondage dans les posts YouTube pour choisir la prochaine figurine. A bientôt!